Bonjour les balances, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage général d'avril 2020. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Et si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On commence tout de suite pour les balances pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. On y va. Nous avons les papiers, la stérilité. Alors, ici, vous avez peut-être des démarches que vous avez faites qui sont en stagnation. On n'a pas de réponse, vous n'avez pas de réponse de l'administration. Il est aussi possible que vous soyez en formation et que la formation soit stoppée actuellement. Alors, nous avons la certitude, le point d'exclamation, les trois tours, le chien, le jeune homme, l'enfant et l'écureuil. Alors, au niveau financier, il y a une évolution au niveau financier. Hein, je ne sais pas. Pour certains, vous avez fait un placement ici. Malgré la crise, il va évoluer tout doucement, étape par étape. Pour d'autres, il y a beaucoup de contacts de vos proches. Il y a aussi des nouvelles d'une administration, pour moi. Une question de faire des économies. Ici, vous n'avez rien à craindre. Hein. Par rapport à la carte du chien, c'est quelqu'un de loyal, de sincère. Donc, tous les contacts que vous allez avoir sur le mois d'avril qui viennent, vous pouvez en avoir confiance. Faites-vous confiance et faites confiance aux autres, ici. Je recouvre. Nous avons l'araignée, la personne âgée, les outils, le consultant ou la consultante et l'harmonie avec la harpe. Alors ici, je vous sens être prudent par rapport au divertissement que vous pouvez avoir. Il est possible que vous ayez des enfants et que vous faites attention à ce que vous achetez pour eux ou vous, voilà, vous essayez de faire attention par rapport au divertissement. Ici, on voit aussi, par rapport à la personne âgée, pour moi, c'est quelque chose que l'on vous transmet, une administration qui vient vous transmettre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose sur ce mois d'avril, c'est positif. Ici, on voit que c'est vous pouvez faire confiance. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Votre entreprise peut vous annoncer que vous avez une sécurité au niveau du salaire. Je vois beaucoup de contacts aussi avec les amis. Il est possible que vous soyez proche de votre enfant. Mais que par rapport aux activités que vous allez faire avec lui, cela demande de faire des économies. Il a peut-être des envies ou elle a peut-être des envies et des divertissements qui peuvent coûter cher ici. On voit également que oui, là au niveau du travail, vous pouvez faire confiance à votre entreprise ici. Vous n'avez pas de soucis à vous faire, tout va se passer pour le mieux. Vous en sortirez hein, de cette crise. Vraiment. On va voir avec l'oracle des miroirs. Et vous avez des gens à qui vous pouvez faire confiance hein, sur ce mois d'avril. Sans problème. J'ai l'enfermement qui est tombé. Bon, on est en confinement. Hein. L'enfermement.
Pour d'autres, il y a aussi peut-être un lien à réparer. Il faut peut-être se réconcilier avec quelqu'un qui est plus vieux que vous. Ça peut être vos parents, vos grands-parents. Ici, on parle d'échec, de défaite, de regret. Allez, pour les balances, nous avons le cadeau et la victoire. Oula, on va vous proposer quelque chose, vous allez recevoir quelque chose. Alors, ça peut être matériel ou immatériel. Hein. En tout cas, ça peut être une aide ou un cadeau matériel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. On peut aussi dire que vous surmontez les difficultés ou vous atteignez un objectif. Il y a vraiment cette idée, enfin, pour moi, hein, d'aide. Alors, nous avons la naissance, la jalousie, le temps, la tranquillité et le voyage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? C'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie sur le mois d'avril. Un nouveau projet, une nouvelle relation. En tout cas, il y a un entourage qui n'est pas d'accord avec ça. Alors, ça peut être votre grand-père, votre père ou dans l'entourage familial. Mais pour moi, c'est quelque chose, c'est un entourage, quel qu'il soit, ça fait longtemps. C'est un entourage qui vous envie, qui est dans la jalousie, qui est dans le... Voilà, c'est compliqué. Hein. Ici, on voit qu'il y a une forme de tranquillité. Alors, vous allez, comment dire, prendre de la hauteur par rapport à tout ça et être dans la réflexion. C'est ce que je vois. Vous allez être dans la réflexion. Il y a aussi de la timidité avec l'écureuil, mais je ne le vois pas comme la timidité pure. Je le vois plus comme une phase de retrait où on observe. On essaye de comprendre ce qui se passe. Je vais recouvrir. Et vous essayez de... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous essayez de ne pas vous tromper, en fait. On a le boomerang, l'examen, l'amitié, la trahison et la loi. Ici, on peut nous parler, justement, de collègues avec qui ça s'est peut-être mal passé au départ. Ici, on voit que sur le mois d'avril, vous allez peut-être, justement, vous réconcilier avec ces collègues. Il y a un rapprochement. On voit aussi qu'il y a un entourage néfaste, hein, là on le voit, par rapport à un commencement d'une situation ou d'une relation. Ça tourne en rond. Mais vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a quand même une évolution, malgré l'entourage néfaste, négatif qui est là. Et ici, on voit bien que vous prenez le temps de voir les choses, de voir comment ça se passe. Pourtant, vous pouvez faire confiance à votre entreprise au niveau professionnel. Vous n'aurez pas de problèmes financiers, mais vous avez besoin justement d'observer, de rester en retrait, de réfléchir avant de donner une décision ou une réponse par rapport à ce qu'on vous demande. Parce que vous n'avez pas envie de vous tromper, et vous avez envie de faire les bons choix. On va voir au niveau sentimental. Allez, pour les balances, au niveau sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de guérison, d'union. Alors, la santé, ça peut être justement le stress, une relation en dents de scie. En tout cas, il y a un engagement ici. C'est beau. Il y a peut-être une réconciliation aussi. Les intérêts,
l'union, et on repart sur la santé. Alors là, pour d'autres, c'est de savoir ce que l'on veut. Est-ce que c'est l'aspect matériel qui nous fait rester dans une relation? Entre la raison et le cœur, c'est ce qu'on me dit. Entre la raison et le cœur pour les balances. Allez, au niveau sentimental pour les balances au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Nous avons l'interdiction et l'abondance. Pour moi ici, on me parle d'un blocage. Avec l'interdiction, on me parle d'un blocage, quelque chose qui n'est pas possible. Et ici, sur ce mois d'avril, bah vous récoltez, vous. Il y a quelque chose qui se débloque. J'ai beaucoup de déblocages hein, sur le mois d'avril. Hein. J'ai l'impression que le confinement fait comprendre aux gens beaucoup de choses parce qu'on se recentre sur soi, qu'on travaille un peu sur soi, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on a le temps de se poser les bonnes questions. Et du coup, les choses se débloquent un peu plus vite. Ici, on a les nuages, le ressenti, le destin, l'inconstance et la plume. On est dans une relation qui, dans les mois derniers, a été confuse. Par contre, faites attention à vos rêves parce qu'on vous envoie des signes. Alors, vous avez un ressenti justement de vague émotionnelle, c'est-à-dire qu'un coup ça va, un coup ça va pas, un coup il y a des doutes, un coup vous êtes sûr. Il y a vraiment ce côté-là. On vous dit que cette relation, la personne à qui vous pensez, c'est le destin qui vous l'a envoyé. Même si c'est difficile, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Donc on va voir ce qui se profile. Nous avons les masques, le piment, la crise, la croix. Et le visuel. Alors, pour certains, là, j'ai l'impression que vous communiquez par télépathie ou par rêve. C'est vraiment prenant, là. Vous êtes attiré, il y a une vraie attraction entre vous. Pour vous, il y a des moments où vous vous dites, non, non, c'est qu'un leurre, c'est moi qui pense ça, mais en fait, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, il y a bien quelque chose entre vous et cette personne. Pour l'instant, vous êtes dans une épreuve, quelle qu'elle soit. On ne m'en dit pas plus. J'ai pas trop de. Parce que là, je vois plein de choses. Hein. Triangulaire, pas triangulaire. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, dans le général ici, on voit qu'il y a bien sûr une. Comment on peut appeler ça? Une épreuve qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu en dents de scie. C'est un coup oui, un coup non, un coup on se contacte, un coup on se contacte plus pendant un temps. Les visuels sont vraiment, comment dire, dispersés. On ne sait pas quand est-ce qu'on se voit. Voilà. Enfin, même en confinement, ça peut être par visio. En tout cas, on voit qu'il y a une relation on-off comme ça. Pourtant, malgré tout ça, on voit qu'il y a de l'attirance entre vous. Mais vous, vous le portez comme une croix, cette inconstance, le fait de relations en dents de scie. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut que vous travailliez sur le mois d'avril. Bon, on va voir avec le Keeper. Pour les balances, au mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La jeune fille riche, le salon. Une question de bien-être, de s'occuper de soi. Allez, pour les balances, au mois d'avril 2020, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Nous avons le changement et la communauté. Il y a un changement par rapport à votre entourage, il y a un changement dans un lien.
Nous avons l'occupation, la personne fausse, les préoccupations, la personne militaire, la prison. Ouais, pour moi, c'est vraiment... Vous allez vous voir, alors, soit par visio, soit dans vos rêves. En tout cas, il y a une question de télépathie ici aussi. Même si vous n'y croyez pas, sachez que si vous rêvez de la personne de votre cœur, c'est que, justement, vous avez communiqué avec elle. Ici, on voit que vos occupations actuelles, c'est sur cette confusion, sur ce qui n'est pas dit, sur ce que vous ne voyez pas. Pourtant, vous avez un ressenti j'allais dire de flamme et de cette attirance et tout. Et pourtant, c'est caché. Vous le cachez et l'autre personne le cache aussi. Ici, on voit que dans le destin, la crise et la préoccupation, on voit que c'est un lien qui est destiné mais qui est obligé de passer par cette épreuve pour se retrouver. Ça, c'est ce qu'on me dit. Et là, j'ai l'impression que c'est la personne de votre cœur ici qui porte, qui a un fardeau par rapport au fait que votre relation est en dents de scie, elle n'est pas stable. Et ça préoccupe la personne de votre cœur. Malgré tout, même si elle est à la... Enfin, si c'est elle qui est à l'action dans cette... dans ces dents de scie, hein, au niveau de votre relation, en tout cas, ça lui pèse. Et on voit ici, avec la prison, les plumes et le visuel, qu'il y a une question de rêve quand même. Je vais recouvrir... Alors, nous avons le message inquiétant, la consultante ou le consultant, la juridiction, le vol et la maison. Ici, on pèse le pour et le contre, hein, par rapport justement à cette frustration. Je sens une frustration entre vous et la personne de votre cœur. Ça vous préoccupe, ça préoccupe l'autre personne, on est perplexe. On ne sait pas trop ce qui va advenir. On demande conseil à des personnes proches de... Enfin, vous demandez conseil à des personnes proches de vous. Vous êtes stressé. Peut-être que, oui, vous cachez réellement ce que vous ressentez. Parce que cette personne en face de vous, ben, elle ne vous dit pas, vous aimeriez qu'elle s'exprime. Sauf qu'elle ne s'exprime pas, et comme c'est un effet miroir, personne s'exprime. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose d'inabordable. C'est comme si... pour moi, l'autre personne, elle se dit qu'elle est en train de vous perdre. Elle se dit vraiment qu'elle est en train de vous perdre. J'ai hâte de voir, pour vous, les balances que ça donne au mois de mai, hein. Parce que là, c'est digne d'un film. Hein. Elle se dit qu'elle est en train de vous perdre. Et j'en ai pas plus. J'ai envie de vous laisser en suspens, là. J'ai pas le choix. J'ai envie de dire que dans tous les cas, que ce soit dans vos rêves ou que si fin avril, vous avez justement un visuel, que ce soit par visio ou en réel avec la personne à qui vous pensez, et ben, ça sera pas encore... Vous la verrez, ça lui fera du bien, ça vous fera du bien à vous, mais vous ne communiquerez pas vos sentiments. Et après, suite au prochain épisode. J'ai vraiment cette impression. Bon, ben, du coup, les balances, j'arrête mon tirage ici. J'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.